Okay, everybody, we're with Rémi Bonnet, and we're going to do this in French, so maybe the YouTube will translate. Rémi, bonjour, and je vais commencer par dire que j'ai habité trois années à... j'habitais à Fribourg, mais je travaillais à Romont. Ok. Alors, je connais très bien la Gruyère, et yeah. C'est un endroit fantastique pour courir, pour la montagne, et il y a beaucoup de légendes des années 80. Alors, je vais d'abord te demander, bien sûr, je suis sûr que tu les connais, Pierre-André Gobet. Oui. Hein, la route, et puis le Mont Blanc, le Cierzinal, Michel Marchand. Oui. Et Carl Strick. Aussi, oui. Tu les connais tous? Je connais, oui. Alors, je voulais te demander, depuis ta jeunesse, les sports, la Gruyère, comment as-tu commencé? Quelle inspiration as-tu? Ouais, où j'habite, ça a toujours été un endroit où il y avait beaucoup de gens qui pratiquaient le sport d'endurance, que ce soit le ski, alpinisme, ou bien la course à pied, ou bien juste la grimpe, ou tout ça. Oui. C'est vraiment... Ouais, un endroit où tout le monde fait ça, c'est un peu les sports populaires. Du coup, depuis tout jeune, j'étais un peu en montagne, mais sans trop faire de course à pied. C'était plus pour le plaisir. Et vu que ma maman faisait un peu de grimpe, j'étais un peu dans la montagne un peu souvent. Elle faisait quoi? De la grimpe, l'escalade. Ah, la grimpe, oui, ouais. D'accord. Du coup, après moi, j'ai commencé sur le tard. J'avais 18 ans quand j'ai commencé un peu le sport d'endurance. Ah oui, 18 ans, ouais. Pas avant vraiment. Non. Puis du coup, je faisais du football avant dans un club à Charmé, justement, oui. Pour le plaisir aussi. Et puis après, j'ai commencé plus sérieusement quand j'avais 18-19 ans, oui. À courir. Ouais. Moi, je faisais partie du CART de Romont. OK. Ouais, avec Baudois et puis Marcel Vider. Ils m'ont bien accueilli, les gens de Fribourg. Alors, sur ce, t'es un grimpeur. Ça, oui, c'est j'aime sûr. Bien la montée, oui. Moi aussi, je préfère que la descente. Et, ici, Madeira, il y a un peu de tout. Qu'est-ce que tu penses? Question parcours. On a vu tous les parcours, là, vu que ça fait une semaine, oui. Qu'on est là. Je pense que ça me convient assez bien. Il y a souvent des longues montées. Du coup, je pense qu'on peut faire vraiment des assez gros écarts dans les montées. Et puis, les descentes sont techniques, mais pas plus que ça, parce que c'est souvent des escaliers. Du coup, des marches. Ouais, c'est pas très très technique, oui. Mais il y a pas le droit à l'erreur, quoi. Faut pas tomber. Ouais, et ouais. Puis... Mais je pense que ça va être, c'est des parcours qui me conviennent bien, et puis je suis assez optimiste là-dessus. D'accord. Et puis, bien sûr, parce que road trail run, on est dans les chaussures. C'est surtout ce qu'on fait, les revues de chaussures. Qu'est-ce que tu vas porter? Je pense que je vais faire pas mal d'étapes avec les Pulsar Soft Ground. Mm-hmm. Vu que c'est toujours un peu boueux à des endroits. D'accord. C'est quand même important d'avoir un peu de grip. Et je pense que la dernière étape, je vais la faire avec les Genesis. Ah oui. Celle-là. Oui. La dernière étape, ouais, c'est la plus longue. Il y a 2000 mètres de descente. Du coup, d'un coup, du coup, ça vaut la peine, oui, je pense, d'avoir, oui, un peu d'amorti. Oui, en fin de semaine. Voilà. Mais super. Alors, je te remercie. Je sais qu'il y a la conférence de presse. Je souhaite... je dis en anglais, have fun, race fast. Yeah. D'accord? Merci. Merci, hein?